Alors bonjour les amis, je vais vous demander de partager le live un maximum. Aujourd'hui, nous allons vivre encore un moment exceptionnel. J'ai une grande surprise pour vous, comme toujours. Oui, nous sommes à la recherche de l'histoire, nous sommes à la présentation du Bénin. Donc voilà, nous allons vivre un moment encore exceptionnel les amis. Ça va être juste magique. Donc je vais vous demander de tapoter le live et de le partager au maximum parce que ce moment ne va malheureusement pas durer énormément parce que je ne peux pas prendre le temps de la personne aussi longtemps, mais ça va être un moment exceptionnel. Tapotez le live et partagez-le s'il vous plaît. Tapoter, alors tapoter un maximum les amis et partager s'il vous plaît. Il y a eu que 4 partages les amis. Partager et tapoter le live s'il vous plaît parce que ça va être du lourd. Donc on est toujours au Bénin les amis, oui. Et oui, bonjour Elisabeth, partage le live et tapote ma chérie s'il te plaît. Partagez le live et tapotez le. Donc on est toujours dans le royaume du Bénin où nous sommes en train de continuer à leur dire, à leur demander de nous raconter leur histoire parce que c'est leur histoire qu'on est venu chercher et c'est la nôtre aussi parce que leur histoire est la nôtre. Donc nous sommes allés chercher l'histoire chez eux tout simplement parce qu'ils sont habilités à nous raconter cette histoire. Là, les amis, tapotez, partagez. Il n'y a personne qui partage le live, s'il vous plaît. Ah, vous aussi, je ne vous demande pas de l'argent, je vous demande juste de tapoter et de partager. C'est pas très compliqué. Donc, je ne vais pas pouvoir attendre trop longtemps parce que, voilà. Donc, comme vous l'aurez remarqué, je suis pieds nus. Donc, qui dit pieds nus dit... Voilà. Qui dit pieds nus dit... Alors voilà, donc vous imaginez déjà que je ne suis pas dans la rue. Donc si je suis pieds nus, c'est que qu'est-ce qui se passe? À votre avis, qui est-ce qu'on va rencontrer? À votre avis, qui est-ce qu'on va rencontrer? Oui, c'est ça la grande surprise. Aujourd'hui, je vais vous partager une journée. Hello tout le monde, ça va être une journée exceptionnelle les amis. Oui, aujourd'hui, je me suis donné beaucoup de mal pour pouvoir organiser une journée culturelle. Alors mettez vos cloches de notification dès que vous entendez ting, il faut vous lever parce que aujourd'hui, nous allons vivre un moment exceptionnel. Oui, parce que comme j'ai remarqué que les gens ont cette manie de vouloir déconstruire. Donc je veille à ce que toutes les personnes que je rencontre et la légitimité de pouvoir nous raconter leur histoire. Voilà. Pouvoir nous raconter leur histoire, l'histoire de l'Afrique, la vraie, pas celle écrite par les autres, non. On va l'apprendre dans leur langue maternelle et ils vont nous la traduire. Donc, je vous rappelle quand même le truc. Quand on vient, c'est leur histoire qu'on demande. Donc, les amis, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, j'attends. Quand on sera à 40, je vais vous annoncer où est-ce que je suis. Donc, tapotez et partagez pour qu'on puisse commencer. Tapoter, partager pour qu'on puisse commencer parce que si je commence, je ne reviens pas dessus. Donc, partager à Tétu, partager à Eben, s'il vous plaît, à Atlas, partager à Kama, oui, mes ennemis aussi, il faut leur partager parce que c'est important. Bonjour Tandoori, ah bonjour Mamadi. Donc, les amis, aujourd'hui, nous sommes encore au Bénin.
Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un nouveau peuple, d'un nouveau royaume. Oui, parce que je vous ai dit, le Bénin est multiculturel. Donc, on va aller écouter leur histoire. Ils vont nous la raconter, d'où ils viennent, comment ils ont fait jusqu'à ce qu'ils soient arrivés là, comment ce royaume a été créé, quelle est leur première rencontre avec les religions, quelle est leur première rencontre avec les Blancs, quel est le rêve qu'ils ont pour ce pays aujourd'hui qui n'est plus un royaume, qui rassemble plusieurs royautés, mais ils ont un seul but, et leur but, c'est l'avancement de l'Afrique. Donc nous allons découvrir tout ça, les amis. Alors, vous connaissez le principe, vous pouvez poser vos questions, évidemment, mais on reste, je veux que vous gardiez en tête, les amis, que quand on parle, nous parlons à un roi, nous sommes des Africains. Donc, si nous disions que nous sommes des Africains, que nous sommes fiers de ce que nous sommes, nous devons garder le respect de nos anciens et de nos traditions. Parce que quand un Africain monte parler à un roi d'une certaine façon, je pense que là, tu n'es plus digne de t'appeler un Africain. Parce que nous connaissons les règles et les traditions. Nous savons qu'en Afrique, nous respectons nos anciens, nous respectons nos rois, nous respectons nos grands spirituels. Donc, s'il vous plaît, gardons dans le respect et la bienveillance, parce que c'est ça. Ici, c'est l'Afrique qui gagne, quoi qu'il arrive. Tout ce que je suis en train de faire, vous allez le retrouver dans une plateforme que je vais mettre gratuitement à la disposition de tout le monde. Pour une fois, l'histoire de l'Afrique va être racontée par des Africains dans leur langue maternelle, et chacun va rencontrer l'histoire de son royaume. C'est ça qui va se passer. Aujourd'hui, nous allons changer la face de l'histoire de l'Afrique. Oui, on ne va plus l'écrire pour nous. Non, on va l'entendre en direct. Parce qu'ici, l'histoire, ça se chante. Ça ne s'écrit pas. L'histoire se chante de génération en génération. Nous allons découvrir des cultures. Nous allons découvrir d'autres traditions de chaque peuple d'Afrique. Les amis, bienvenue au Bénin et bienvenue dans le royaume de Porto Novo. Mais je tiens à vous dire que le royaume de Porto Novo, c'est pas africain, non. C'est le royaume que les Blancs lui ont donné, oui. Parce que le Porto Novo, ce royaume avait un nom et nous allons le découvrir. Donc, je vais retourner ma caméra où nous allons rencontrer le roi. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. Donc, nous sommes dans le royaume appelé par les Blancs Porto Novo. Je tiens à vous dire que ce royaume ne s'appelle pas ainsi. Ça s'appelle, on va rencontrer, nous avons la chance, l'honneur de pouvoir rencontrer le souverain de ce royaume qui va nous permettre de pouvoir raconter son histoire. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Beaucoup. En tout cas, alors, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir vraiment vous rencontrer. Bonjour, Sa Majesté. Alors, je suis tellement émue, je suis tellement émue, c'est vraiment un grand honneur. Tu peux attendre un peu ? Oui. Un tout petit peu ? Oui. Faut mettre ça à côté. Ok. Alors, les amis, je vais attendre 2 minutes parce que, voilà, je vais attendre un peu parce que le roi a des choses à régler. Donc, nous allons attendre. Il a une urgence. Effectivement. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour. Les amis, nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Je suis tellement fière. C'est ça l'Afrique, c'est fou. Je suis tellement fière, je suis tellement fière. Je suis tellement fière, c'est magnifique. Alors effectivement, c'est le roi Tofa 9. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le roi Tofa 9. Le roi de Porto Novo. Mais je tiens à vous dire que ce royaume ne s'appelle pas Porto Novo. Non, ça, c'est le nom que les Blancs lui ont donné. Donc, il va nous parler du vrai, de son royaume. Alors, il faut savoir que ces deux peuples qui vivent ici, on va essayer de rencontrer les deux peuples. Voilà. Vraiment. Ici, les amis, n'oubliez pas, nous sommes là juste pour apprendre notre histoire. Restons dans la bienveillance. Et pour une fois que nous avons la chance que
que les gens nous racontent l'histoire, que ça soit des gens de notre peuple qui nous racontent, qui nous chantent, parce qu'ici, l'histoire est chantée. Voilà. Ah, je vois qu'il y a des gens du royaume qui sont là. Je suis tellement fière, les amis. Je suis fière. Donc, alors, écrivez vos questions, je vais les lire. Je ne vais pas vous permettre de monter. Vous allez juste écrire vos questions et je vais les lire. Voilà. Je peux. Alors. Pour vous rester comme ça jusqu'à la fin. Et aboutir. Oui. De toute façon, je ne vais pas me mettre debout face à vous, donc... Ok. Alors, bonjour, Sa Majesté. Oui, bonjour. Alors, dans quel royaume êtes-nous? Où est-ce que nous sommes? Dans quel royaume? Vous êtes dans le royaume de Ogon, Tchatché, Porto Novo. Alors, Porto Novo est un nom qui a été donné par les Occidentaux, j'imagine. Bien sûr. Porto Novo, un nom donné par un Occidental qui serait un Portugais, de nom de... Pardon. Tu es loin de Campos. Icaritus, en 1752. Donc, il fait un explorateur. C'est comme ça que nous allons l'appeler. Il était là. Il a fait le tour de notre région. Et lui, pour lui, c'est que notre région est bien identique de chez lui. Et il se disait, ici, c'est Porto Nuevo, qui signifie nouveau porte, le nouveau port. Nos ancêtres ont traduit en Porto Nuevo et qui du coup a été travaillé pour devenir Porto Novo. Alors, vous êtes de quel peuple? Je suis du peuple Gon. Je suis dans la restriction où je suis du peuple Gon. Mais à l'origine, je suis un Nadia. Encore, origine plus avancée, je suis un Yoruba. Alors, d'où êtes-vous avant d'arriver ici, d'où est-ce que les Yoruba ont immigré jusqu'à ce que vous avez changé trois fois de peuple? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Bon, disons, je vais partir d'Oyo, tout simplement, pour ne pas embrouiller les gens. D'accord. Je vais partir d'Oyo. Nous sommes un fils. Sinon, un prince. Un prince d'un prince d'Oyo. Et nous avons quitté Oyo. Nous avons passé par Kétou. Nous sommes arrivés à Adja. Adja Tado. Nous sommes arrivés à Tado, je vous dirais. Mais on l'appelle aujourd'hui Adja Tado. Adja Tado veut dire quoi? À Tado, il n'y avait pas un royaume. Ce sont nos parents qui ont quitté Oyo qui ont fondé le royaume d'Adja Tado. Et pour signifier quand même que c'est un royaume et que c'est un roi, un souverain qui dirige, ce nom Adja est arrivé après. Et dans la région du lac, aujourd'hui appelé département de lac Otogo, nos peuples sont là jusqu'à
dans le Monokoufo Bénin. Donc c'est le peuple Aja qui habite toute cette zone. Mais disons que dans cette appellation Aja, ce sont les souverains, comme dans d'autres pays, comme dans d'autres régions de chez nous, on appelle Dada, on appelle par exemple ici Poinon, ou bien ici on appelle Poinon, ou bien Aholou, tout ça là. Donc Aja, c'est le nom du roi. C'est l'appellation du roi. Alors, est-ce que dans l'histoire, dans la transmission, on vous a dit pourquoi vous avez quitté Oyo? Mais, on a... C'est que le roi d'Oyo, le roi d'Oyo, un ancien roi d'Oyo, avait plusieurs enfants. Ses enfants, tous ses enfants sont appelés princes. Ils sont appelés au trône. Mais... pour une succession, c'est une seule personne, un seul prince qui sera choisi pour s'asseoir au trône. Mais et les autres? Les autres, ils vont rester dans le royaume. Qu'est-ce qu'ils feront? C'est en ce moment que les princes, ils étaient en tout 6, on a choisi celui qui devait rester au trône, et le reste s'est éparpillé. Et c'est dans cette lancée de chercher mieux ailleurs que un prince d'Oyo venu s'installer à Tado pour fonder le royaume de Tado, appelé Aja Tado. Et pourquoi vous avez quitté le royaume d'Aja Tado? Donc c'est là où on est aujourd'hui? Non. Non, on n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Pourquoi vous avez quitté le royaume d'Aja Tado? Bon. Et pour nous, c'est un peu compliqué. Tout d'abord, dans ce royaume, nous sommes un enfant reconnu autrement que les autres. C'est-à-dire nos parents, nos ancêtres, ont été reconnus autrement que les autres. C'est-à-dire? Bon, je vous dirais que dans l'ancien temps, il était permis certaines choses qui aujourd'hui sont un peu compliquées à accomplir. C'est-à-dire? C'était une fille, une princesse, de nos Dalibono. Et comme on le dit chez nous, quand une fille est aussi belle que la lune ou bien que tout ce que vous voyez là, on appelle Tonouweti. C'est-à-dire, quand elle sort, le soleil s'éteint. C'était une belle fille. Vraiment. Et qu'on ne peut pas dépasser sans se saliver. Hein? C'est comme ça. La fille était demandée par un prince charmant qui était aussi vraiment, n'était pas mal. Mais à leur rencontre, ou bien chez les parents, comme cela se passe aujourd'hui même, les parents ont dit qu'ils ne veulent pas du prince. Donc c'était déjà un problème. Mais le prince dit, ce que moi j'accroche, je ne laisse pas. Et c'est comme ça que, comme les parents dégivaient dans leur refus, le prince a dit, bon, si c'est ça, je vais voir les ancêtres, les anciens. C'est comme ça qu'il est parti rencontrer les anciens. Vous savez, il était permis de se métamorphoser en tout ce qu'on veut. Donc, il est parti chercher chez les anciens ce qui pouvait l'aider
à rencontrer la vie d'une manière ou d'une autre. Alors, c'était dans ce sens qu'il avait cherché à se métamorphoser en panthère. Alors, la panthère rôde autour du palais, mais ne faisait rien à personne. Elle se promène, elle va dans le bois. Dans le bois, elle reste, c'est-à-dire se repose là-bas. Mais la fille et ses copines du moment, vous savez, quand on est prince ou princesse, on a un temps pour aller dans la brousse. On a un temps pour aller au marigot. Cela servait de distraction à ces princesses ou à ces princes. Mais chaque groupe avait des gens qui les suivent. Ils avaient des gardes. Mais ces gardes n'avaient pas tellement force de leur refuser beaucoup de choses. Donc c'était à l'une de ces balades dans la forêt pour aller chercher un peu. Les autres cherchent du bois. Et la princesse aussi profite de l'occasion pour s'amuser avec les feuilles, avec les brindilles, ainsi de suite. Et elle peut commencer par taper d'autres feuillages, peut-être que ça lui plaisait, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est une distraction. La panthère était cachée dans les bois. Comme avait déjà fait, la panthère avait fait des enquêtes et sachait où elle dans son ensemble, se promenait pour faire le travail. C'était dans cet ordre qu'il s'était caché. Et quand la princesse allait, c'est-à-dire, elle faisait comme... Elle distrayait tout le monde et avançait petit à petit. Comme si la panthère l'attire aussi par des incantations. Mm-hmm. Donc, petit à petit, elle est partie et contourne le petit buisson. Alors, la panthère se jette sur elle. Elle a crié. Ce qui s'est passé. On avait du sang. Rapidement, on l'a amené à la maison. Causé. La panthère, toujours dans le bois, et surveillait ce qu'il a fait. La panthère allait jusqu'au palais, devant du palais. Se couche, comme il ne perd rien à personne, il est comme en montant, on l'a toujours laissé. Mais il en est issu de ce geste un garçon. C'est ce garçon qui est nous sommes le premier géniteur. De nous autres, de mes ancêtres, était la panthère. Donc, votre emblème est la panthère. Bon, si vous le voulez, évidemment, c'est ce que nous sommes. Vous êtes des panthères. Alors, je sais que la légende, l'histoire raconte que quand vous êtes arrivé à Porto Novo, il y avait un autre peuple qui vivait ici. Comment s'est passée cette arrivée et cette rencontre? D'abord, de Adjatado, l'un des fils, je dirais, d'Agassou, le fils du panthère, a eu des enfants lui aussi.
Et c'est parmi ces enfants-là que nous avons eu le droit de nous dire nous sommes princes. Parce que avec la panthère, les gens n'ont pas cru. La panthère ne s'est jamais transformée. La panthère est demeurée comme ça. Elle est restée panthère. Voilà. Les gens ont cru autrement. Et c'est l'un de ces enfants, des enfants de ce premier geste, qui a grandi et a réclamé son droit à la royauté. Là, il y a eu des problèmes. Jusqu'à ce qu'il a tué le roi au trône et s'est autoproclamé roi d'Adjadjado. Donc la panthère, le fils de la panthère a joué le rôle de la panthère. Oui. Donc c'est comme ça que nous leur avons arraché, mes grands-parents leur ont arraché le trône. Le trône. Et comme il faisait trop de bruit, il a quitté leur palais pour former son palais. Un peu plus au sud. De là, il a géré juste parce que le royaume là est un royaume qui a un mandat. Il n'a pas voulu dépasser le mandat. Il a fait juste à l'approche du mandat, il s'est inscrit. Alors, à l'époque, on parle de quelle époque là? On parle de quelle année? Le royaume est fondé vers l'an 1000. L'an 1000? Oui. Et à l'époque, dans ce royaume, il y avait un mandat, c'est-à-dire un roi ne pouvait pas être roi pendant 40 ans, 50 non, ans. Pas, du tout. Ah, ça, vous avez vu, vous êtes la première culture, ou traditionnellement, en tout cas que je rencontre aujourd'hui, où les rois ne pouvaient pas être rois toute leur vie. Non, ils ne sont jamais rois toute leur vie. Ils sont, suivant les dispositions du royaume, un roi devrait être 3 ans. Ah, donc, à l'époque déjà, vous étiez organisé. Très organisé, je vous dirais. C'est magnifique. Là, on parle de l'an 1000. Oui, bien sûr. Et ça, c'était dans votre peuple à vous, déjà à Oyo ou à Adjadjado. Ok. À Adjadjado. Donc, à Adjadjado, vers l'an 1000, déjà, vous étiez organisé de telle sorte qu'un roi ne pouvait régner que 3 ans. Et après que les 3 ans étaient passés, qui est-ce qui régnait? Comment on choisissait le nouveau roi? On le choisit après avoir éliminé le prédécesseur. Ah, donc il fallait que l'ancien roi meure avant qu'il y ait un nouveau roi. Ce n'est pas qu'il meure aussi de la mort naturelle. Ah, il faut l'aider à mourir. Oui, parce que on ne dira pas, voilà l'ancien roi qui est en train de... Donc c'était dangereux d'être roi finalement. Mais c'était dangereux, pourtant les gens se proposaient à être roi. C'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans la modernité, c'est ce qui se passe. Mais vous êtes le premier à nous raconter, et c'est ça que je trouve extraordinaire, que en l'an 1000 déjà, avant que la civilisation blanche n'arrive, parce que ce que vous me racontez, c'était avant les blancs, j'imagine. Mais bien sûr. Ça existait déjà dans vos traditions. Alors, comment cette information est remontée jusqu'à vous? Je vais vous dire que je suis allé à l'intronisation du 187e roi dans ce royaume. C'est fou. Et je peux vous le montrer. Il doit être dans les photos ici.
C'est juste magnifique ce que vous êtes en train de dire. Vous avez vu comment on était organisé déjà à l'époque. C'est juste magnifique ce que vous êtes en train de nous raconter. C'est pourquoi quand nous, nous parlons, nous disons que le roi nous fait, que les Blancs nous ont, les Blancs nous ont pris en photo chez eux. Ils nous imitent dans cette disposition qu'on entend. Voilà le 187e roi. Le voici à côté de lui. C'est grandiose. Vous pouvez lire en bas là. Alors, j'espère que vous faites des captures d'écran parce que aujourd'hui, Sa Majesté, vous avez révolutionné mon histoire de l'Afrique. Vraiment. L'Afrique était tellement organisée avant l'arrivée des Blancs. Alors, j'aimerais justement qu'on parle avant l'arrivée des Blancs, parce que malheureusement, et c'est quelque chose que je trouve très dommage. Vous savez, nous avons des frères et sœurs à travers le monde, dans une autre époque. Parce qu'à une autre époque, l'Afrique avait des petits royaumes, et chaque royaume avait le devoir de protéger son peuple. Nous savons que dans l'histoire, les autres peuples qui étaient envahis ont capturé les hommes forts pour éviter de les voir revenir et fragiliser le pouvoir. Et ces gens, à un moment donné, quand les Blancs sont arrivés, on les a échangés contre des armes pour protéger son peuple. Parce que chaque roi a le devoir de protéger son peuple. Aujourd'hui, nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, on leur fait croire que... Parce que, je le dis sans arrêt, il n'y a aucun roi qui a vendu les gens de son peuple, sauf ceux qui voulaient fragiliser le royaume. Oui. Donc... Alors, on raconte que c'est une pratique qui se faisait, d'après ce que vous savez dans vos anciens. Est-ce que cette pratique avait lieu déjà avant que les Blancs n'arrivent sur la terre d'Afrique? Je ne veux pas répondre directement à votre question. Ok. Parce que on est parti de quelque part et on en est quelque part. Oui. Je suis encore à Diatango. Je n'ai pas parlé de moi-même en tant que vous. Pardon, excusez-moi, Sa Majesté. Vous savez, là, ce que vous avez dit sur la politique, vous m'avez changé. C'est-à-dire, pendant des décennies, on nous a fait croire que l'Afrique n'était pas organisée. Vous êtes le premier, et c'est ça qui est extraordinaire, vous êtes la première information orale vivante qui a pris ces informations de génération en génération, qui vient nous dire oui, nous avions, parce que ce que vous dites aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup de pays, 3 ans de mandat. C'est juste extraordinaire. Je suis toute retournée, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis tellement fière. Avec preuve. Voilà. Je suis toute retournée, les amis. Franchement, là, je... Vous savez quoi? J'ai même pas envie que vous me parliez de l'esclavagisme. Je voudrais que vous me parliez de l'organisation. Comment on était organisé? Franchement, l'esclavagisme, beaucoup de rois vont m'en parler. Parlez-moi de qui nous étions. Bien. Nos ancêtres étaient des gens bien organisés. Ils savaient comment prendre les dispositions pour que quiconque arrive voit de quoi ils sont capables. Ils étaient si organisés, sinon si... Aujourd'hui, on parle de la justice. En temps, il n'y avait pas la justice. Au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas la justice. Et même juste au moment où je suis ici, il y a aussi la justice. Il y a des affaires que nous tranchons, nous aussi. Et parce que, avec les lois nouvelles, il ne faudrait pas faire ceci, il ne faudrait pas faire cela. Les lois universelles refusent ou bien condamnent certains faits. Mais ça ne veut pas dire que nos ancêtres n'étaient pas organisés.
C'était très organisé. Parce qu'ils faisaient la justice et leur peuple les acceptait. Est-ce que de chez eux, ils ont fait quelque chose ici? Ils sont venus seulement pour nous démobiliser, pour nous arracher nos droits, c'est-à-dire nous prendre nos prérogatives. Donc, ils ne sont pas arrivés pour nous faire du bien. Je dirais que en ce moment où le mandat de 3 ans était une des dispositions fortes de ce royaume d'Agatado, les Blancs intervenaient. Il y avait déjà les Blancs? Il y avait certains Blancs. Non, c'est à la longue. Ah, okay. Ils ont commencé par intervenir. Les lois universelles sont tombées sur nous, sur nos ancêtres. Comment le peuple de Agatado a rencontré leur premier blanc? Est-ce que dans l'histoire, on vous la raconte, votre première rencontre avec les Blancs? Non, ils n'en ont pas parlé. Mais on a parlé de comment. C'est-à-dire, comment Agatado ne reste pas sur place. Et quand on parle des lois universelles ou bien des Blancs chez nous, ils n'envahissent pas tout d'un coup tous les royaumes. Ça part d'un royaume. Et de bouche à oreille, on entend ça. Ça a quitté là-bas, ça vient. Je vous dis que quand on parle du peuple d'Agatado, non seulement fondé par les descendants d'Oyo, il y a d'autres peuples qui sont Minangkabau jusqu'en Côte d'Ivoire qui sont venus de ce peuple. D'ailleurs, ce sont les descendants de ce royaume qui ont fondé plusieurs royaumes dans l'Ouest d'Afrique. Donc, c'est des gens très organisés. Ils vont quelque part, ils s'assiedent. Et c'est riche en bâton. Donc, quand les Blancs envoient quelque chose, puisque nous n'avons pas téléphone, tout ça là, patati patata, les moyens de communication, ce sont comment ils font dans une autre région que des gens apprennent et courent vers d'autres royaumes pour les en informer. C'était comme ça, la communication. Même ils ont aboli l'esclave, il a fallu des années avant que ça n'arrive chez nous en Afrique. Au moment où on découpait, on capturait nos frères qui sont allés dans les Amériques et autres. Des choses se sont passées. L'Afrique n'était pas au courant. C'est après des années que vous avez été au courant de ce qui se passait réellement là-bas. Voilà. Parce que effectivement, beaucoup de... Alors, j'ai rencontré des rois qui nous ont dit que quand ils ont rencontré les Blancs, ils ont invité les Blancs par hospitalité et les Blancs leur ont fait un cadeau et eux, ils leur ont donné des hommes pour les aider. Mais à l'époque, ils ne savaient pas que ces hommes qu'ils leur donnaient, parce que à l'époque, on donnait des bras pour aider. Et ils ne savaient pas à l'origine que ces bras qu'ils donnaient, ils étaient utilisés autrement. Après, plus tard, le commerce de l'esclavage est arrivé. Et malheureusement, chaque roi a fait ce qu'il faut pour protéger son royaume, parce qu'on a regardé le royaume du Dahomey qui était très très fort et qui a essayé d'étendre. Donc chaque royaume essayait d'étendre son pouvoir. Il y a des royaumes qui nous ont raconté qui se sont mis sous le protectorat de la France pour pouvoir se protéger leur population et leur peuple des autres royaumes, parce que c'était la réalité ici aussi, la réalité de nos ancêtres. Et voilà. Donc maintenant, vous avez quitté, comment vous avez, pourquoi vous avez quitté Agatado? Voilà.
Parce que ce prince qui est devenu roi, il ne pouvait pas rester aussi longtemps parce qu'il ne voulait pas mourir. Donc lui, il a pris le maquis avec ses serviteurs, ses femmes et autres, une suite importante qu'il a déplacée d'Ajatado. Il a pris les vallées, le plateau d'Abomey, descendre dans la grande forêt et arriver à Chouzou. Dans une région Aïzo aussi, c'est un peu dans une région Aïzo, et c'est là il a demandé des terres, le pain de terre qu'on lui a offert, et c'est avec ça que ça a commencé. Il est resté. Et chaque nuit que Dieu envoie sur terre, lui ne fait que rogner la terre des autres pour avoir plus de surface. Et c'est comme ça que, petit à petit, il en a eu. Par la ruse. Voilà. Et cette ruse a été découverte. Et ça a amené beaucoup de problèmes. Jusqu'à aller en guerre contre les Aïzos, puisque les autres ne voudront pas laisser quelqu'un leur prendre leur terre. Donc c'était la guerre. Ils en ont fait, et finalement c'est lui qui a gagné. Il n'avait qu'une seule lance, la lance de son père. Quand il quittait Ajatado, il y avait la lance de son père, un tabouret, et comment on appelle, des morceaux de fer qui représentaient ses ancêtres. Et quoi encore? Des tam-tams. Oui. Qu'il avait ramené d'Ajatado. Maintenant, le voilà en guerre avec contre les autres. C'est la lance qu'il a utilisée pour le combattre. Et finalement, il a fondé. Il a construit son palais, il a fondé un royaume dans la région. Le royaume siège jusqu'à aujourd'hui. Et ce royaume a eu un nom compte tenu de la ruse qu'il a utilisée pour accomplir son œuvre. On appelle ce royaume Alada. Alada. Oui. Ce qui signifie. Est-ce que ça signifie... J'ai déjà expliqué ça. Je n'ai pas loin. Bon, ça signifie la ruse, j'imagine. En tout cas. Voilà, ça signifie la ruse, j'imagine. Donc, c'est comme ça que nous avons quitté Ajatado. Et ce roi qui a laissé le trône là-bas est revenu, est allé chez les Aïzons pour devenir un super roi. Donc, le roi Ajatado, fondateur d'un grand royaume à Alada. C'est nous qui continuons comme ça. Et lui, il a eu des enfants. Il en a eu 4 que nous connaissons. Il a eu une fille. La fille était malade. La fille souffrait de la lèpre. C'est une malade redoutée et redoutable. Les gens fuyaient tellement ça. Et au cours de son déplacement vers les Aïzons, il a trouvé quelque part, il a mis la fille pour sa guérison. Et il a continué avec les 3 garçons. La fille là est restée. Et on la traitait, mais quelque chose l'a poussée vers un marigot. Elle est partie se toucher dans le marigot et sa peau est devenue lisse. Aussi belle que je ne pourrais le dire.
et cette fille a marié son guérisseur. Et dans cette région, elle a fondé un royaume. Le royaume de Dédomé. Le royaume de Dédomé. Oui, c'est une fille, c'est une princesse. Fille de Adjaoudon qui a fondé ce royaume. C'est Adjaoudon, le roi, qui a quitté Adjatadou pour Alada, pour fonder le royaume d'Alada. C'est sa fille qui est Nan de Dometof. Et elle a fondé ce royaume. Et ce royaume existe jusqu'à aujourd'hui. L'actuel roi s'appelle Nafodji. Il s'appelle Nafodji. Donc, les autres, les trois garçons avaient suivi leur père. Ils ont créé pas mal de choses. Je ne pourrais pas rentrer en détail, mais on est appelé à vivre et on est appelé à mourir. Dieu l'a rappelé le roi. Le roi est mort, vive le roi. Le roi est mort, Adjaoudon est mort, vive le roi. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il a trois héritiers. Les trois héritiers attendaient les funérailles. Et au bout de cette attente, il y a le plus jeune qui s'était déclipsé pour aller s'asseoir dans le trône de son père. Et avec la complicité de certains sages. Donc comme ça, il s'est emparé aussi des attributs royaux. C'est un problème. Ses frères ont commencé. Le bruit a commencé. Mais, réfléchissant, les frères ont dit, nous n'allons pas rester ici pour être l'animal d'expérience à tuer de notre petit frère. Il vaudrait mieux que vraiment on se disperse. C'est comme ça que le cadet s'est remonté vers le plateau d'Agomé et a fondé le royaume de Dahomé, dont vous parlez ici. Donc vous êtes apparenté au royaume de Dahomé. Nous sommes ici d'une même ceinture. C'est extraordinaire, franchement. C'est extraordinaire. Dahomé, Alada, Porto Novo, Dédomé sont issus d'une même ceinture. La ceinture de Adjaoudon. Alors, l'histoire raconte que vous n'avez pas, le royaume de Porto Novo n'a pas soutenu le roi Béhanzin contre sa guerre. Alors, c'est ce que, pas l'histoire, les gens racontent. Moi, je suis venu chercher la vérité. Tu as pressé. J'ai pas dormi de la nuit tellement j'ai. Je vis un rêve. Ils vivent tous un rêve. Donc, Adjaoudon, le roi Adjaoudon de Adjatado, qui a pris le pouvoir par la force, a pu s'éclipser pour venir fonder un royaume chez les Aïzons. Et avec ses quatre enfants qu'il avait amenés, la fille a fondé le royaume des domaines vers Comancère. Et les trois enfants, après sa mort, l'un d'eux avait arraché le trône aux deux autres. Malaise. Mais qu'ils ont su gérer. Et le cadet, lui, est parti fonder le royaume de Dahomé.
il s'appelle Dago. Et l'aîné, lui, il est venu ici, à l'est de notre région, pour fonder le royaume de Hobon, appelé après un instant Adjaché. Les gens disent Adjaché. C'est ce fondateur qui a donné le nom. Il a dit Adjaché. C'est-à-dire, mon Adja, il a quitté Adja. Il a passé par Alada. Au lieu d'être roi à Jatado, comme son papa a pris la clé des champs, parce qu'il ne voulait pas mourir, alors lui aussi l'avait suivi. Il a dit, il avait amené de là-bas. Ils sont arrivés chez les Roli, chez les Aïsons, du moins, et le papa a fondé un royaume. Lui, le frère aîné, s'attendait. Et il attendait. Mais la fille qu'on a déposée quelque part, lui, l'a fondé le royaume de Nénoumé. Et le garçon aîné qui attendait le trône de son père a été tué par son plus jeune frère. Et après ça, les deux autres se sont entendus. Le cadet, il est parti sur le plateau d'Abomé, fonder ce royaume-là. L'aîné était le dernier à descendre vers l'est, vers le sud-est, pour fonder le royaume. Hobon, Adjaché, Porto Novo. Voilà. C'est en ce cas que je suis con, moi. C'est fascinant. C'est fascinant, vraiment. Alors, il y en a autre question parce que je suis arrivé à mon but. Vous savez, je depuis que je suis là, je dors presque pas tellement. Chaque jour, je découvre des choses et je suis tellement émerveillée. Et le Bénin, c'est exceptionnel. Le Bénin est exceptionnel. Le Bénin, c'est quelque chose. C'est un pays que tout le monde doit visiter, blanc comme noir, peu importe d'où vous venez. C'est une montagne de. C'est exceptionnel, vraiment. C'est pourquoi jusque-là, on parle de l'histoire du Bénin. Mais on ne peut pas. Parce qu'on a tellement à dire. Totalement. On a tellement à dire. J'ai appris tellement de choses ici. Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle de votre première rencontre, en tout cas ici. Comment les Blancs sont rentrés dans ce royaume? Bien. Vous voyez, déjà en 1846, les Portugais, il y a certains Portugais qui sont arrivés. Et même un peu avant ça, ces Portugais ont pris part, en plus, ça dit, c'est comme des marchands qui prenaient les larges de l'océan Atlantique, quittant un pays. Bon, il y a des Portugais qui sont passés ici. Mais pour mieux dire, les premiers qui étaient arrivés ici, dans les 1700, oui, c'était les Anglais. Ils sont arrivés avec l'église protestante anglicane. Ce sont les Anglicans qui sont venus avec leur église. Et ça a créé des situations géniales. Après, on a ces Portugais. Les Français sont arrivés après. Les Français étaient à côté. Mais pour parler, parce qu'ils étaient. Ils faisaient le jacquotu dans les régions. Mais pour parler de l'esclavage, le vrai, ça existait avant l'arrivée des Blancs. L'esclavage existait en Afrique. Bien sûr, en Afrique, avant l'arrivée des Blancs.
les enfants, venez acheter nos parents ici. Alors, vous dites les Arabes venaient acheter, mais qui leur vendait? Les Arabes, c'est qu'ils faisaient des échanges. Ils faisaient des échanges avec les anciens Africains. Ils faisaient des échanges. Et c'était le troc. Ils emmenaient des gens pour les ménages chez eux. C'était un esclavage. C'est par là que ça a commencé. Donc l'esclavage a commencé par les Arabes déjà. Le peuple noir. Donc ils ont pénétré l'Afrique bien avant les Blancs. Bien sûr. Les Arabes étaient ici bien avant les Blancs. Bon, si on parlait par exemple des Marocains, des Algériens et un peu de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. Vous savez, ce peuple avait voulu, dans ce temps-là, de ceux-là qui vont travailler pour eux, qui vont travailler la terre, qui vont faire les îles, l'élevage avec eux, mais ils venaient chercher des gens. Même quand ils voyaient des filles qui leur plaisaient, ils disaient oui, ils rentrent, ceci, cela. Et amenait. Donc l'esclavage n'était pas seulement axé sur les blancs. Je vous dirais aussi que même entre nous noirs, on prenait des bornes. C'est-à-dire celle-là, cette dame qu'on prenait à la maison pour les ménages. C'était de l'esclavage. Alors, c'est vrai que quand on parle d'esclavage, ce qui choque, c'est le traitement inhumain. Je ne pense pas qu'ils étaient traités de façon aussi inhumaine. Oui. Tu sais qu'il y a le traitement inhumain. Mais tout le monde n'est pas le même. Tout le monde n'est pas le même. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a l'esclavage. Je vous l'ai dit. Malheureusement. Elle est moderne, mais malheureusement. Malheureusement. Si nous nous rappelons de l'histoire de Tunisie, effectivement. Donc, je retourne aux Blancs. Eux autres sont arrivés ici par mission, par la voie de l'évangélisation. Ils ont amené le livre noir. Ce livre tant aimé par les Africains, par la majorité des Africains. Le Coran était là. Le Coran était déjà en Afrique. C'était d'abord la Bible. La Bible est arrivée à Porto Novo avant le Coran. Oui. Ok. Et c'est au cours des, disons, ce qu'ils appellent le Coran. Que les Blancs, les Noirs de l'Afrique, on vient de l'Afrique, des Afriques arabes, ont descendu dans, disons, dans notre région. Oui. Les gens ont quitté le Nigeria, le Nord-Nigeria, au Nigeria. Avec l'islam. Donc, il y avait après la Bible, c'est l'islam. Mais nous avons une religion innée à notre région, à notre pays, à notre région noire, à notre peuple noir. C'est la tradition, c'est la religion endogène de l'Afrique. Et ça, on ne peut pas totalement effacer du cœur des Africains. Mais
la Bible, la religion traditionnelle domine le peuple barbecue. C'est vraiment un problème que les religions importées soient aussi gênantes pour le peuple. Quand on parle de l'esclavage amené par ces religions, non, elle était arrivée en ami. Alors que c'était des versets adoucissants qui leur récitaient. Et certains accords du moment leur traduisaient. On va aller au ciel. Et ça continue d'arracher une frange de notre peuple. Comment aller au ciel? Même quand les gens vieillissent, ils courent derrière l'église, croyant que le ciel, c'est à travers l'église. C'est faux. Ils comprennent rien. C'est vraiment l'opium du peuple. Et c'est à partir de la Bible, de l'évangélisation, qu'ils ont commencé par faire le jeu du tu me donnes ça, je te donne ça. Le troc. Ils ont donné. Nos ancêtres se miraient avec de l'eau dans de grandes jarres. On tranquillise, on laisse se tranquilliser. Et quand ils veulent se voir, ils vont face à cette eau pour se mirer. Un petit truc comme ça, quand tu regardes, tu te vois correctement. Donc c'est des choses pour impressionner. On dit le roi en fait, le roi en fait. C'est des choses pour impressionner les rois. Moi, je les comprends. Je les comprends. Ce n'était pas leur faute de faire pareil. C'était une autre époque. Voilà. Et on peut leur emporter un petit truc qu'ils n'ont jamais vu et qui vont les impressionner. Alors, ils cèdent. Certains cèdent à ces manigances. Mais ce n'était pas, je continue de le dire, je ne les condamne pas. L'histoire n'est pas faite pour être condamnée, juste pour être comptée. Voilà. Et il y a certains qui refusent. Quand ils disent, bah, je veux cette histoire-là, je veux ce tableau. Vous me le donnez. Je veux ce tableau sculpté que vous avez. Mais ils refusent. Et demandez-vous, ils mettent des trucs pour le truc. La personne tergiversée dit non. Alors, ils étaient missionnaires. Ils étaient devenus aussi marchands parce qu'ils faisaient des trocs. Militaires, parce qu'ils font comme ça, ils sont là. Vous me le laissez ou bien je vous tue. Vous me le laissez ou je vous tue. Ils vont faire un coup visant quelque chose de chez vous, ou bien visant un pauvre poulet. Pan! Le poulet, tout bien. Et finalement, le sang commence. Quand les gens voient ça, ils sont pris de peur. Alors, il ramasse ce qu'il veut. Il ramasse ce qu'il veut. C'est comme ça a commencé l'esclavage
des blancs, l'esclavage des noirs, que les blancs viennent chercher en Afrique. Ici, à Porto Novo. Même partout en Afrique, c'est comme ça. Ok. Donc, on n'avait pas tellement de moyens pour aller contre. Même si on a d'âme, notre âme n'est pas de même calibre que. C'est pas la même force. C'est pas la même force de frappe. Voilà. Donc, comme ça, ils ont obligé les rois, certains rois, à faire ce qu'ils ne veulent pas. Je dis tous les rois, à faire ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est comme ça. Des bras valides nous ont été dérobés. Je dirais dérobés, parce qu'ils disent qu'ils viennent acheter les noirs. Et nos propres frères disent que nous les avons vendus. Même les blancs disent que nous avons vendu nos propres frères. Moi, je dis, les premiers voleurs, ce sont eux. Pourquoi je dis que les premiers voleurs sont eux? Parce que s'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de voleur. Effectivement. Il ne peut y avoir de corrompu sans corrupteur. Je suis allé jusqu'en Amérique, leur dit ça. Dans les plantations. Parce que c'est parti, ils ont commencé par fuir. Ils n'ont jamais vu moi, mais ils m'ont vu moi. Et c'est avec ceux-là qui descendaient déjà en Afrique, les Noirs américains qui descendaient en Afrique, c'est avec eux que nous avons commencé. Et on les avait rapprochés. On a pris en devant. Donc, si j'ai bien compris votre démarche aujourd'hui, c'est que les Africains qui ont été envoyés de l'autre côté de la mer puissent rentrer chez eux et découvrir de nouveau leur histoire et rester chez eux. Ils m'ont demandé que quand on a commencé à parler, et on s'était proposé de nous rencontrer dans les plantations. Ils se sont réunis et m'ont demandé comment eux autres les appellent. Les ancêtres, ils ne les trouvent pas. Les ancêtres ne leur répondent pas. Je dis non. Les ancêtres sont là. Ils vous répondent ce que vous ne les suivez pas. Ils disent non. Je dis bon, voilà. Vous avez votre propre maison. Vous avez votre lit. Vous avez tout. Là où vous avez un salon. Mais vous ne prenez jamais de l'eau mettre quelque part. Vous ne mangez pas à la maison, vous mangez au restaurant. Avant que l'eau ne coule chez vous, c'est quand vous avez besoin d'aller vous doucher. Les ancêtres ne connaissaient pas tout ça. Mais je vous dis, à partir d'aujourd'hui, cherchez quelque chose, y mettre de l'eau. Et changez l'eau. 2-3 jours, changez l'eau. Quand vous voulez manger, mangez chez vous. Les croûtes qui tombent servent à quelque chose. Pas de fourmis pour prendre un petit brin de croûtes. Vous les tuez tous. Vous voulez être nouveau. Quand vous êtes vos ancêtres iront là-haut, ils trouveront à manger. Parce que les ancêtres viennent la nuit manger. Même le jour, ils viennent manger. Nous sommes en train de parler ici. Si vous avez quelque chose que vous mettez aux yeux, si vous voyez les ancêtres qui sont ici, vous aurez peur. Ils nous entourent, ils nous protègent, ils nous guident. Mais vous faites tout pour que ceux-là s'éloignent de vous. Et après, vous dites que vous les appelez, vous ne les croyez pas. Non. Je leur ai appris comment il faut intervenir pour que les ancêtres répondent à leur demande. C'est ça.
Alors, quel est le dialecte que vous parlez ici? Le Gon, le Yoruba, le Gon, c'est un talon, c'est le Gon. Le Gon. Le Yoruba. Les Yoruba, eux, se sont venus du Nigeria, comme nous-mêmes aussi. Mais nous primons sur, politiquement sur le Yoruba. Alors, j'ai une dernière question, parce que les gens me posent cette question. Donc, vous êtes en train de nous dire que, ici, le royaume de Porto Novo n'a jamais pratiqué le commerce d'esclaves. Je ne le dirai pas. Ah. Parce que je ne peux pas reprendre de ce que d'autres rois ont fait. Non, mais là, on parle du passé, évidemment. Je dis, oui. Voilà. Et je vous dis que le royaume de Porto-Novo a connu l'esclavage. Mais le royaume de Porto-Novo a aussi été le premier royaume à cesser l'esclavage. Ok. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quel message vous voudriez lancer à votre peuple qui se trouve à travers le monde et qui voudrait venir... Quel conseil leur donnerez-vous? Je les salue d'abord. Je leur dis qu'il est vrai qu'ils sont partis il y a longtemps. Mais le pays les attend. Le développement de leur pays, de ce pays que nous habitons nous autres, les attentes. S'ils peuvent se concerter ou individuellement prendre le courage de descendre chez eux, chez leur, dans leur propre pays, ça ferait beaucoup de plaisir et ça va les grandir. Voilà. Alors, beaucoup s'inquiètent de savoir comment se passe la cohabitation avec les autres religions. Parce que je vois que Porto Novo, il y a les traditionalistes. Nous trouvons aussi les catholiques et les musulmans. Comment se passe la cohabitation? Les catholiques, les musulmans, les protestants, les célestes, pas encore. Il y a trop de religions. Les évangélistes, ceux-là qui crient à longueur de journée. Et empêche les gens de dormir. Même. Voilà, nous vivons. Bon, en tout cas, nous vivons sans peur avec toutes ces religions. L'important, c'est de vivre ensemble. C'est de vivre ensemble. Quand un peuple oublie tout, et apprend à vivre ensemble, tous les problèmes de mon homme là sont réglés. Voilà, nous vivons très bien et parfaitement. L'une à côté de l'autre. Moi, je suis pour toutes les religions. Vous êtes de quelle confession, si je peux me permettre? Je suis pour toutes les religions. Je suis là. Un Yoruba, un musulman arrive, je dois le recevoir. Je suis là. Un chrétien arrive, il est mon frère, il est sujet du royaume. C'est comme ça. L'un après l'autre, pratiquant n'importe quelle religion, arrive, il est bienvenu. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour ne pas trahir les secrets de ce monde, la reine est musulmane. La reine est musulmane. Voilà. Alors c'est un traditionnaliste. J'ai pas arrêté de vous dire depuis que je suis arrivée ici, contrairement à ce qu'on dit en Occident. Oui, parce que nous qui vivons en Occident, nous avons une vision de l'Afrique qui est complètement faussée. Nous n'avons pas les mêmes réalités que les Africains qui vivent ici sur leur terre. Et ici, moi, je vous ai dit, je suis catholique.
Je suis mondiaque, je suis pépelle, je vais au fin fond des forêts casamançaises parce que c'est ma tradition, c'est mon identité. Ma fille est devenue musulmane, mais peu importe. Je suis avant tout une Africaine, j'ai une identité et c'est ça qui fait notre force. Alors, nous allons terminer avec ce message fort que le roi a envoyé à chacun d'entre vous. Et c'est le message que je vous envoie à chacun d'entre vous. En tout cas, merci Sa Majesté, merci de nous avoir raconté l'histoire que vous avez transmise de génération en génération et nous permettre de pouvoir la transmettre aux prochaines générations. Alors, les amis, je vais vous demander de mettre vos cloches de notification, oui, parce qu'on n'a pas fini. On est venu apprendre et cette histoire, nous allons l'apprendre chez nous. Peu importe quelle qu'elle soit, c'est la vérité, parce que la vérité, elle ne peut pas être filtrée. L'histoire n'est pas faite pour juger. Nous n'avons pas à juger nos ancêtres. Chaque époque a fait ce qu'il fallait pour pouvoir survivre. Notre rôle, c'est de l'écouter et d'en tirer les bonnes leçons afin que nous fassions beaucoup mieux que eux. Donc, je vous fais un grand merci et je vous demande de mettre la cloche de notification parce que j'ai plein de surprises pour vous aujourd'hui. Ne vous éloignez pas, j'arrive. À tout à l'heure.